Ouch. Hello guys, et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez déjà, une nouvelle vidéo. Oh, franchement, excusez ma tête de déterré, je reviens tout juste du travail. J'ai à peine mangé et je me suis dit là Christa, force-toi, tu fais ce contenu, tu fais cette vidéo. Là je suis crevée de ouf, mais ça fait tellement longtemps que j'ai commandé les articles de cette marque et je me suis dit vas-y Christa, là il faut vraiment que tu fasses ce haul, sinon je vais jamais le faire. Donc voilà, essayez de pas trop, vous voyez, me roast en commentaire et tout. Voilà, je sors du travail, vraiment soyez indulgents. Donc pour cette petite vidéo haul, je vous ai préparé quelques petits paquets. Ouch. Quelques petits paquets de la marque Cider. Et si jamais vous viviez dans une grotte et que vous ne savez vraiment pas de quoi est-ce qu'il s'agit, laissez-moi vous montrer quelques images de ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, comme vous l'avez vu, ils ont vraiment de tout, en fait, que vous vouliez être classe, simple, sexy, tout, des vêtements tous les jours. Ils ont vraiment, vraiment de tout sur ce site. Et la qualité a l'air d'être pas mal. Enfin, voilà, quand tu regardes les photos, hein, on va voir, on va juger tout ça ensemble. Hein. Mais voilà, et je pense que niveau prix aussi, ils rentrent vraiment dans ce genre de haul que j'aime bien faire. Hein, voilà, je fais attention à votre budget. Donc je me suis dit voilà, cette marque coche toutes les cases et pourquoi pas la tester. Voilà, et surtout je me suis rendu compte que ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup, les vidéos haul. Malheureusement j'ai pas très souvent le temps de me mettre sur internet, de vraiment chercher les bons articles genre à petit prix et tout, mais à chaque fois que j'ai un peu de temps pour le faire, franchement, j'hésite pas. Je vous montre ce que j'ai trouvé et au cas où ça vous intéresse, voilà, pour que vous puissiez également, bah voilà, être fashion à petit prix, tout simplement. Voilà. Donc, si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Et je pense que, voilà, trêve de bavardage et on va commencer tout de suite. Alors, vraiment de grâce, je vous vois déjà venir, ne jugez pas mon ventre, pardon, je viens de manger, s'il vous plaît, faites abstraction du ventre et regardez la robe, merci. Voici donc la première robe. Alors, j'espère que vous verrez bien à la caméra. Bon, quelles sont les impressions? Alors, peut-être on commence déjà par les infos sur la robe. Alors, la robe, elle était à 10 euros. Donc, voilà, pas très cher. Les prix sont un peu genre site chinois, un peu. Enfin, après, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Cider, c'est chinois, c'est indonésien, c'est quoi? Parce que les prix sont quand même assez genre un peu site chinois, genre. Donc, voilà. Donc, cette robe, elle était à 10 euros. Et, enfin, voilà, quoi. Enfin. Après, je me serais quand même attendue à... Parce que c'est une matière qui est un peu stretch, genre un peu la matière, vous voyez, pour les trucs de sport et tout. Je me serais attendue à ce qu'elle soit un peu plus en coton. Je vous mettrai la photo sur le site déjà pour que vous voyez. Mais voilà, quoi. Sinon, elle est confortable. Hein. C'est une robe tranquille, normale. Moi, j'ai beaucoup aimé la couleur surtout. Et le fait qu'elle soit col roulé. Je voulais toujours une robe comme ça, enfin un peu manche ouverte mais avec un col. Donc je trouve que ça fait bien quand même quand il fait ni trop chaud ni trop froid. Voilà, tu peux rapidement mettre un gilet par-dessus et ça fait quand même joli quoi. Donc voilà. Alors je vais juste poser le micro et vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Voilà, c'est une petite robe sans plus. Dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît. Moi, ça va, mais sans plus, quoi. Voilà. Alors, on passe à la deuxième tenue. Alors, pour moi, ça, c'est un gros, gros, gros fait. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais déjà, et surtout, je vous mettrai les photos des articles tels quels sur le site pour que vous voyez un peu à quoi est-ce qu'il ressemble. Mais voilà, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le haut, c'est censé être un body. J'ai pas pu le fermer, malgré le fait que je l'ai pris en M. Donc, comme quoi, les bodys, probablement chez eux, taille très petit. Donc, au cas où vous voudriez commander des bodys chez eux, essayez de commander une taille au-dessus de votre taille. Parce que là, normalement, je mets du M. Et là, ça passe pas. Donc, j'ai pas pu fermer le body. Et deuxième chose, c'est que le body s'est détaché. En fait, je sais pas si vous verrez. Donc, je sais pas si ça s'est détaché ou ça s'est coupé. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Qualité moyen, moyen. Très, très léger. Enfin, stretch le body. Pour moi, voilà, ça le fait pas du tout. Alors attendez, je vous donne le prix de suite. Le body, il était quand même à 13 euros. Donc il y a eu, enfin j'ai eu un petit rabais. Du coup, je l'ai eu à 13 euros, mais sinon il aurait coûté 17 euros. Franchement, ça à 17 euros, merci, non merci. Si encore c'était de la qualité et tout, vous voyez, enfin j'aurais compris, mais là franchement c'est ça vaut vraiment pas son prix. C'est vraiment pas quali quoi, vraiment vraiment pas. Alors en ce qui concerne le short il est bien, c'est un M aussi et là du coup c'est vraiment ma taille. J'aime bien les shorts un peu amples comme ça, surtout en été quand il fait chaud. J'aime pas trop quand c'est trop près du corps, voilà, enfin. Il est ok, mais sans plus. Enfin, je me serais attendue à ce qu'il soit un peu plus, vous voyez, un peu plus stylé. Genre, je sais pas comment expliquer. Enfin, que ce soit un peu plus stylé, quoi. Enfin, là, il est ok. Enfin, voilà, c'est en short, quoi. Et lui, il était à. Alors, attendez, je vous dis ça. Le short, il était à 12 euros. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu un rabais. Donc, je l'ai eu à 12 euros. Mais sinon, il aurait coûté 19 euros. Voilà, là aussi je suis assez mitigée, franchement pour moi c'est moyen moyen. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je me dis là du coup pour ce outfit ça vaut vraiment pas le coup, ou alors peut-être je les ai juste mal agencés, je sais pas. Voilà, mais en tout cas moi je suis vraiment vraiment pas conquise en fait par ces deux articles-là. Donc voilà, donc pour moi ça c'est vraiment pas mon outfit favori. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est moyen moyen. Franchement, ce haul il a un peu, enfin il commence un peu timidement. Franchement, je vais pas vous le cacher, je pensais vraiment que j'avais déniché des pépites, mais là, Cider, c'est moyen, hein, moyen moyen. Allez, on passe à la prochaine tenue. Alors, tenue suivante. Et là, franchement, on est déjà. Bon, c'est vrai qu'on est un peu dans ma zone de confort, donc j'ai pas essayé des trucs ouf, hein. Je vous l'accorde. Mais quand même, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette robe. Enfin, elle fait un peu robe sportswear et tout, mais avec la fente, quand même, ça fait. Ça ramène un petit bail. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout la couleur comme ça, noire avec, avec les détails en blanc. Moi, j'adore. Et surtout, voilà, stretch, comfy. Franchement, vous êtes à l'aise dedans. Il n'y a pas de souci. Alors, attendez, je vous donne le prix. Alors, elle était à 10,40 €. Voilà, on est toujours dans les petits budgets. Moi, je vous avais dit, je fais que dans les petits budgets. Voilà. Et voilà. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que. Pour l'instant, c'est ma favorite du haul. Enfin, elle est simple. Voilà, vous la mettez avec des baskets, franchement. Un petit pull ou alors un petit, une petite bomber. Vous voyez les grosses vestes là. Franchement, ça passe crème. Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, cette robe, pour l'instant, c'est ma favorite. Très simple, hein, franchement, toute noire. Avec les détails.
en blanc, pour moi, comme franchement, on fait jamais mieux que le classique blanc et noir. Vous pouvez rien faire de, enfin, vous pouvez pas faire de faux pas en fait avec du blanc, du noir. C'est les classiques, ça passe toujours. Ça passe toujours. Et là, encore une fois, ça passe. Voilà. Du coup, là, c'est pas plus en coton, mais ça me dérange pas. Par contre, pour la robe marron, là, ça me dérangeait un peu plus. Mais là, c'est ok, ça va. Moi, j'adore, 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 j'aime trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, quoique, c'est vrai que sans la fonte, enfin, elle serait passée crème aussi. Moi, je me dis. Sans la fonte, ça l'aurait fait aussi. Donc voilà, je pose le micro, je vous montre vite fait. Donc voilà. Pour l'instant, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est une robe simple, mais qui passe partout en fait. Quand je sortirai tout, tranquille, tranquille. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresserait beaucoup. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est ma favorite de ce haul. Haul timide, je vous l'accorde, mais voilà. Attendez, j'ai encore une pièce à vous montrer. Alors, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit par rapport à la robe avant. Je pense que cette robe, je pense qu'on parle d'elle-même et je pense que c'est ma favorite du haul, clairement. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez celle-ci par rapport à la noire, mais hello! Est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier cette robe? Franchement, quand je l'ai commandée, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit comme ça, quoi. Enfin, j'adore! Enfin, c'est le genre de robe, vous pouvez la porter, genre, un cocktail, un anniversaire, à un mariage, je sais pas moi, avec un petit bibi. Enfin, vous vous mettez là en talon, enfin. Ça passe crème! Enfin, franchement, je suis tellement agréablement surprise par cette robe que je me dis, waouh! Enfin, franchement, j'avais déjà perdu espoir pour ce haul, très sincèrement. Mais là, du coup, quand je vois cette robe, franchement, damn! Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, it's a C'est. Alors, elle est magnifique, mais je pense que de toute façon, c'est une robe que vous avez beaucoup vue sur les réseaux sociaux, enfin, en toutes les couleurs. Donc, c'est cette fameuse robe, on va dire ça comme ça, parce que la coupe, je la connais déjà de plein d'autres robes, mais j'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup la couleur. Je pense que c'est ça qui ramène un peu de fraîcheur à l'ensemble. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez également la couleur et le motif. Moi, j'adore, franchement. Alors, attendez, je vous donne les infos sur la robe. Alors, la robe, elle était à. Alors, vous le croirez jamais, hein. La robe, normalement, elle coûte 28 euros. Mais du coup, j'ai eu une réduc et je l'ai eue à 8,96 €. Donc, 9 euros. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas pour ce petit cadeau que je vous fais, franchement. Téléchargez l'application Cider et franchement. Attendez lorsqu'ils ont ce genre de promotion et surtout ils en ont tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu comme Trendy Haul, je ne sais pas si vous avez vu mon haul Trendy Haul. Je vous le mettrai quelque part ici pour que vous puissiez aller le checker. Mais enfin, ils sont un peu comme Trendy Haul et ils ont beaucoup, beaucoup d'offres, beaucoup de soldes et tout. Et franchement, cette robe, enfin, j'adore, franchement, 9 euros pour ça. Alors que normalement elle était à 26 euros. Franchement, pour moi, c'est. J'ai tout gagné. Franchement, attendez, je pose le micro, je vous montre. J'adore, elle est juste trop belle. Donc voilà, la matière, c'est un peu genre faux satin, enfin synthétique et tout. Enfin, vous connaissez, je pense. Mais voilà, c'est pas désagréable, quoi. Franchement, j'adore. J'ai hâte de la porter. Je me vois déjà, je sais pas moi, à un anniversaire ou alors à un petit cocktail comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît autant qu'à moi, mais pour moi, ça, c'est ma pépite de ce haul. J'adore et franchement, ça me plaît trop en fait de pouvoir vous montrer ce genre de pépites parce que, enfin, c'est pas des trucs que, genre, quand tu fais les magasins, enfin, Zara et tout, H&M, tu vas jamais voir des trucs comme ça qui sortent vraiment.
enfin, qui te ramène quand même un truc dans ta garde-robe en fait. Donc ça, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Ne me remerciez pas, ou bien si, remerciez-moi et abonnez-vous. Et tout de suite, on va décortiquer ensemble ce petit haul et je vous donne mon avis sur la marque Cider. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Cider? Alors, déjà commençons par les prix. Je pense que les prix sont ok. Ils ne sont pas très chers en fait sur le site, ce qui est quand même pas mal pour vraiment attirer un public vraiment très large. Enfin, franchement, il y en a pour toutes les bourses. Si vous avez un peu un plus gros budget, vous allez trouver votre bonheur. Si vous n'avez pas beaucoup de sous à mettre dans des vêtements, vous allez également trouver votre bonheur. Franchement, ça, je trouve ça super. Après, la qualité, moyen. Ça dépendra toujours des articles que vous allez acheter. Donc, par exemple, avec cette robe, moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en général, les vêtements synthétiques, voilà, sont pas très quali. Comme par exemple, on l'a vu avec ce body qui était synthétique, il était stretch et il a même pas tenu. Donc voilà, déjà, les mesures étaient bizarres. Donc voilà. Parfois, vous allez avoir de mauvaises surprises, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc, dans l'ensemble, la qualité en moyenne, je dirais que c'est vraiment genre une qualité genre de shine. Voilà, tout ça, ou chine, je sais pas comment vous dites ça. Voilà. Donc moi je pense que la qualité est assez similaire, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au début de la vidéo si jamais vous savez en fait est-ce que c'est indonésien, est-ce que c'est chinois, enfin est-ce que Cider. Mais voilà, je pense quand même qu'ils sont chinois mais je suis pas très sûre. Donc dites-moi dans les commentaires au cas où vous le savez. Mais là, voilà, après ce sera pas la qualité voilà, de ouf quoi. Clairement non. Mais comme je vous ai dit, vous allez toujours trouver voilà, de petites pépites. Comme moi par exemple, je m'attendais vraiment pas à trouver cette robe aussi jolie en fait. Donc voilà. Ah oui, et ils mettent des petits trucs comme ça. Enfin, on va dire que ce sont des goodies, mais pour moi ça n'a aucune plus-value. Pour moi, c'est clairement juste des déchets entre guillemets parce que ça tu les gardes pas. Et très sincèrement, ils pourraient se passer de ce genre de trucs et tout simplement, je sais pas moi, enfin. Essayer de mettre plutôt le paquet sur la qualité plutôt que sur ce genre de truc à deux balles que personne n'utilise quoi, tout simplement. Donc voilà ma petite review. Donc au cas où vous testez la marque Shopsider, n'hésitez pas à me taguer ou alors à venir me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je pense que ce sera probablement pas le dernier haul que je fais de cette marque. Parce que enfin ils ont beaucoup d'autres articles, ils ont des maillots de bain, ils ont des pantalons. Donc je pense que je vais racheter des trucs là-bas. Et forcément si j'en rachète, bah, je vous montrerai ce que j'ai acheté pour vous inspirer un peu au cas où vous cherchez des tenues. Voilà. Que ce soit pour tous les jours ou alors pour sortir. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous a fait lâcher un petit sourire parce que ça voudrait tout simplement dire que j'ai déjà tout gagné. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à le partager autour de toi. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous laisse tout simplement avec voilà, un de mes contenus quelque part ici. Et bien sûr avec un petit bouton s'abonner au cas où vous voudriez bien le faire. Et on se retrouve très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when